Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on peut dire un gloire à Jésus? Merci d'être là. Vous savez, au portail, le Vendredi Saint, notre soirée du Vendredi Saint, c'est une tradition. Et quand on y pense, ça fait 5 ans qu'on n'a pas eu des réunions du Vendredi Saint normales. La dernière fois, c'est 2019. En 2020, il s'est produit quelque chose. Tu n'es peut-être pas au courant, là, mais ça commence par « pandé ». Ça finit par « mi ». Donc, c'était un moment de paranoïa collective. Il y avait une limite de gens et on enregistrait la réunion du Vendredi Saint, la diffusant en ligne. Et on respectait les règles, mais il y a des voisins qui ont vu 5 voitures puis se sont dit « font un party, la police est arrivée ». Donc, je t'évite les détails, mais je me suis retrouvé seul avec ma femme derrière les rideaux à enregistrer la prédication. Vraiment un moment vraiment glorieux. Je ne l'ai pas vu la gloire, mais j'imagine qu'elle était là. 2021, on a fait l'enregistrement dans un studio à Montréal. 2022, on est revenus tous ensemble en présentiel, mais tout le monde avait le masque et tout le monde était très étroit dans son siège. Et il n'y avait pas eu de salutation. L'année passée, on s'est dit, c'est la bonne, on y va, mais non, panne d'électricité généralisée. On avait 2 réunions de prévues, on les a annulées vers les 17h, quelque chose comme ça. L'électricité revient, finalement, on fait un débat. On décide de faire une réunion en catastrophe. Donc, aujourd'hui, techniquement, tout est normal. Techniquement. Et si tu as quelqu'un de bizarre à côté de toi, tu peux dire, quand il parle de normal, il ne parle pas de toi, OK? Ça se peut. Il y a des gens qui le font pour vrai. Maintenant, le Vendredi Saint, qu'est-ce qu'on fait? On commémore la mort de Jésus. Si tu nous visites, vous savez, dans la culture populaire, on connaît Jésus, mais pourquoi célébrer un sauveur qui est mort à la croix? Et quand on compare, par exemple, avec Alexandre le Grand, qui a vécu à peu près à la même époque, dans l'Antiquité, 300 ans avant, Alexandre le Grand et Jésus, les deux, sont morts à 33 ans. Et quand on compare, on se dit, mais pourquoi vous adorez Jésus? Pourquoi vous célébrez Jésus? Alexandre le Grand est mort sur le trône, Jésus est mort sur la croix. Alexandre le Grand est décédé et mort en vainqueur, Jésus est mort en victime. Alexandre le Grand a marché avec son armée, Jésus a marché seul. Alexandre le Grand a répandu le sang, Jésus a répandu son sang. Alexandre le Grand faisait des esclaves partout où il passait, Jésus libérait les captifs partout où il passait. Amen. Alexandre le Grand a tout pris, Jésus a tout donné. Alexandre le Grand est un homme qui se prenait pour Dieu, Jésus est Dieu fait homme. Amen. Amen. Alexandre le Grand a fondé un royaume qui a duré 200 ans, Jésus est venu établir un royaume qui dure éternellement. Et finalement, Alexandre le Grand a tout perdu à sa mort. Jésus a tout gagné par sa mort. Là, on peut dire un vrai amen. Donc, c'est pourquoi on est réunis pour commémorer la mort de Jésus. Et lorsqu'on parle des dernières paroles, les dernières paroles d'Alexandre étaient « Il n'y a plus de monde à conquérir, il est mort ». Maintenant, les dernières paroles d'un personnage historique, c'est important. Les dernières paroles d'une personne, c'est important. Tu dis l'essentiel. À un moment donné, tu as un pasteur qui va visiter un frère qui est malade et il est à l'hôpital, il est mourant, arrive à l'hôpital et s'approche du frère, de l'homme et se met à côté de lui, commence à prier. Il voit que l'homme commence à manquer d'air et tente de dire quelque chose. Le pasteur penche son oreille et lui dit « Vas-y frère, dis-moi tes dernières paroles. » Et l'homme tente, mais il est incapable de parler. Et là, le pasteur prend un petit papier, un calepin, un crayon, lui donne, dit « Écris tes dernières paroles. » Et l'homme, de peine et de misère, écrit quelque chose, et meurt. Le pasteur prend le papier, le plie, le met dans sa poche et se dit « Lors de ses funérailles, je vais lire ses dernières paroles. C'est tellement précieux que je ne peux pas le lire sans la famille. Donc, lors des funérailles, je vais sortir le papier et je vais lire quelles sont ses dernières paroles. » Les funérailles arrivent, la famille est réunie, le pasteur fait la cérémonie, les funérailles, à un moment donné, il dit, « Voici, j'ai les dernières paroles du frère qui est parti rejoindre le Seigneur et j'aimerais vous partager ces paroles qui sont assurément profondes et riches de sens. »
Il ouvre le papier et c'est écrit « Pasteur, enlève ton pied de mon tuyau d'oxygène. » Maintenant, Jésus a eu des dernières paroles et Jésus a eu 7 dernières paroles à la croix. Quand tu regardes les évangiles, il y a 7 paroles de Jésus sur la croix. Et pourquoi seulement 7? Et pourquoi de brèves paroles? Bien, tu dois comprendre, vous savez, souvent on a une vision poétique de la croix. Et la croix, c'est sale. La croix, c'est laid. La crucifixion, c'était le pire supplice qu'on réservait au pire des criminels. Même si Jésus était innocent, on a magouillé, on s'est débarrassé de lui. Et lorsque tu mettais quelqu'un à la croix, comme Jésus, je te rappelle que Jésus a été flagellé, était à demi-mort, a porté la poutre, a porté sa croix. Lorsqu'il est arrivé au mont du Calvaire à Golgotha, on lui a planté des clous dans les pieds et dans les mains. Et là, on l'a levé, puis le supplice de la croix, tu ne meurs pas à cause des clous, tu meurs par asphyxie. Et on mettait un petit bout de bois au niveau du fessier, qui s'appelle le sidicula, pour justement t'assurer que tu as un certain support pour que tu vives plus longtemps, que tu souffres plus longtemps. Parce que chaque respiration que tu tires est un supplice, et la croix, les crucifiés souffraient d'insomnie, avaient été battus, comme Jésus souffrait de la faim, de la soif. Au niveau historique, on sait que les crucifiés avaient des spasmes, il y avait de l'infection, de la déshydratation, des nausées, il y avait encore une fois, autour de la croix, tu avais de l'urine, des excréments, du vomi, il y avait toutes sortes de choses. La croix, c'est pas poétique. Et Jésus à la croix, il est crucifié pour parler. Chaque parole est une souffrance intense et nécessite un effort surhumain. C'est pourquoi il y a seulement 7 paroles. Mais ce sont des paroles précieuses. Amen. Et on va regarder ensemble ces 7 paroles qui sont des brèves paroles, mais qui résument l'essentiel du message de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Et est-ce que quelqu'un sait c'est quoi la première parole de Jésus? Exactement. Donc, la première parole de Jésus se trouve dans Luc 23, le verset 34. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » OK, imagine. Jésus est crucifié. Il est dans une agonie, dans la douleur, et ce sont ses premières paroles, des paroles de pardon. Je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je me fais mal, je n'ai pas des paroles de grâce dans ma bouche. Quand on se fait mal, ce n'est pas nécessairement des paroles de bénédiction qui sortent de la bouche. Quand la nuit, je vais boire de l'eau et je cogne mon gros orteil sur la patte du lit, il y a des gens qui sont ici. Quand ça t'arrive, tu sacres. Lève la main, c'est toi. Il y a des gens qui lèvent la main. Wow, OK. Moi, Jésus a purifié mon langage. Je ne sacre plus. Mais quand je me fais mal, il y a des choses qui sortent. Oh, il étole de petits pépères, de bouillon, de poulet, de pépites de laine. Maintenant, Jésus à la croix, il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Pourquoi ce sont les premières paroles de Jésus? OK, tout à l'heure, pasteur Denis a lu Ésaïe 53. Est-ce qu'il y a des gens? Tu as une Bible? OK, j'aimerais qu'on me trouve Ésaïe 53 et j'aimerais que quelqu'un me lise la dernière chose, la dernière phrase du dernier verset de la description prophétique de l'œuvre de Jésus à la croix. Donc, verset 12, dernière portion du verset 12, pour que tu comprennes que la première parole de Jésus accomplit la dernière phrase du serviteur souffrant dans Ésaïe 53. Donc, si vous l'avez, dites « Amen ». OK, dites-moi qu'est-ce que vous avez comme dernière phrase. Ouais, vous êtes loin. Merci. Il a, ouais. J'espère que t'es pas fâché, frère, hein? C'est comme... Quand tu veux le verset, je vais te le donner, le verset! Pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il fait. OK. Mais l'intercession... Ici, littéralement, c'est le mot, c'est « il a intercédé ». La dernière chose qu'on dit dans Ésaïe 53, c'est que le Messie va intercéder en souffrant. Jésus intercède. Intercéder veut dire être entre deux personnes. Jésus se positionne entre le pécheur et le Dieu très saint. Jésus est médiateur. Vous savez, dernièrement, j'ai sorti un plat du fourneau, je l'ai mis là, j'ai fait mes trucs et j'ai oublié que c'était chaud et je l'ai pris à deux mains.
Est-ce que déjà, ça t'est déjà arrivé? Ne faites pas ça à la maison. Tu as besoin d'un médiateur. Ça s'appelle une mitaine. Et la mitaine épouse ta femme et te permet d'être en contact avec ce qui est chaud. Jésus, et là, tu comprends l'analogie? Jésus n'est pas une mitaine, mais Jésus est comme le médiateur qui permet aux pécheurs de s'approcher du Dieu très saint. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont approchés de Dieu par Jésus? OK. Et qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur. Mark Twain, qui est un auteur, a dit la chose suivante. Le pardon est le péché. Pardonne-moi. Le pardon est le parfum que la violette répand sur le talon qui l'a écrasé. Le pardon est le parfum que la violette répand sur le talon qui l'a écrasé. Qui a crucifié Jésus? Il y a un débat. Est-ce que c'est les Juifs? Est-ce que c'est les Romains? Non. C'est nous. Ésaïe 53 dit qu'il a été crucifié, écrasé à cause de nos péchés. Maintenant, mon ami, tu es peut-être rentré ici, tu ne connais rien de Jésus, tu ne connais rien des églises, tu ne connais rien de la Bible. Mais si tu te confies en Jésus, tu reçois son pardon, tu peux ressortir ici avec l'odeur de Jésus, avec l'odeur de la vie, l'odeur de la grâce, l'odeur d'un nouveau début, parce que l'alarme qu'on l'a écrasé nous communique la vie. Et la Bible dit... Pardonne-leur, car ils sont de bonnes personnes. Non, excusez-moi. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, il y a des gens qui sont ici et tu ne sais pas ce que tu fais. Par rapport à Jésus, à Dieu, tu ne sais pas ce que tu fais. Vous savez, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus a dit, « Nul ne se rend au Père que par moi. » Jésus a dit, le Père et moi, on fait un. Jésus a dit qu'il était Dieu. Jésus a dit qu'il était plus comme, il était 100% homme, 100% Dieu. Maintenant, les gens qui sont ici, et tu dis, oui, mais Jésus, pour moi, c'est... Oh, les chrétiens disent qu'il est Dieu, mais pour moi, c'est simplement un grand enseignant moral. Mon ami, ce n'est pas une option. Parce que Jésus a dit de lui-même qu'il était Dieu. Tu as seulement trois options. Si Jésus a dit qu'il était Dieu, il savait que c'était pas vrai, et c'est C.S. Lewis qui dit ça, ça veut dire que Jésus est un menteur. Est-ce que Jésus est un menteur? Quand on regarde à Jésus, même toutes les religions reconnaissent que c'est un exemple de moralité. Vous savez, il y a des gens, tu te dis, oui, mais il y a des gourous qui sont des menteurs. Oui, mais as-tu remarqué que font les gourous? Ils agissent avec un petit groupe en privé. Jésus a toujours enseigné publiquement. Raël est au Japon présentement. Jim Jones est en Guyane. Jésus a toujours agi dans la lumière. Donc, Jésus, clairement, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un menteur. Donc, si Jésus a dit qu'il était Dieu, et il ne savait encore une fois, il savait que ce n'était pas vrai, non. Donc, s'il ne savait pas, ça veut dire que Jésus, ce n'est pas un menteur, c'est un fou. Est-ce que Jésus est un fou? Non. Quand tu regardes à son évangile, à ses enseignements, quand tu regardes à ses miracles, quand tu regardes à sa résurrection, il n'est pas un fou. Donc, si Jésus n'est pas un menteur, Jésus n'est pas un fou, la seule chose qu'il te reste, il est vraiment qui il a dit qu'il était, il est le Fils de Dieu, le seul Seigneur, le Sauveur du monde, et tu as besoin de lui. La parole de Dieu va dire que les princes de ce monde ne l'auraient pas crucifié s'il avait connu qu'il était le Seigneur de gloire. Et il ne savait pas qu'il crucifiait le Sauveur du monde. Et la deuxième chose, après une parole de pardon, une parole de paradis. Luc 23, 43. Jésus est à la croix. Il y a deux hommes autour de lui, deux criminels, deux brigands. Et la Bible dit que les deux l'insultent. Et au fur et à mesure que la journée avance, il y en a un, son cœur commence à fléchir. Et celui qui l'insultait, tout à coup, va dire quelque chose de vraiment génial à Jésus. Il va dire, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Tu te rappelles la prière de Jésus, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Déjà, la prière de Jésus commence à avoir des effets. Déjà, la prière de Jésus à la croix a d'impact avec des gens qui sont ici, que le cœur a été transformé par cette prière de Jésus. Il y a des gens, tu es ici, tu es rentré avec un cœur dur. La prière de Jésus, il y a 2000 ans, peut changer ton cœur aujourd'hui. Et regarde, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Wow! Jésus dit, aujourd'hui,
Le brigand a eu beaucoup plus qu'il a demandé. Il a dit, Seigneur, à un moment donné, à la fin des temps, quand tu vas revenir, souviens-toi de moi. Jésus dit, non, mon ami, pas demain, pas dans 100 ans. Maintenant, aujourd'hui, ce que Jésus peut faire dans ta vie, il ne va pas le faire demain, il peut le faire maintenant, live now. Il peut changer ta vie maintenant. Et vous savez, la Bible dit qu'à la croix, Jésus a été fait péché et que celui qui se confie en lui est devenu justice de Dieu. Un transfert, un virement. Jésus sans péché, fils de Dieu, il est pur, il est juste. Et à la croix, il devient péché afin que nous qui sommes pécheurs, on se confie en lui. Il y a un virement de la justice et de la pureté de Jésus dans nos vies. Et ce qui fait que le Père te voit comme Jésus. OK. Exemple. Virement. Est-ce que je suis seul que mon institution bancaire, pour les virements, souvent il y a un délai? Je n'aimerais pas ma banque. Ça peut être une caisse. Il peut y avoir du vert dans le logo. La réalité, c'est que des fois, tu t'attends un virement, des fois, ça peut être un gros montant, puis la personne a dit, j'ai fait le virement. T'attends. Là, t'es comme... Ça prend du temps. Il y a un délai. Et le brigand pense qu'il y a un délai. Hein, il dit à Jésus, tu vas me faire un virement de ta justice, mais à la fin des temps. Puis Jésus dit, non, mon ami, le transfert est déjà fait. Quelqu'un qui est ici, tu peux avoir un casier criminel gros de même. Tu peux avoir été la personne la plus immorale à marcher sur cette terre. Si tu te confies en Jésus, maintenant, il y a un transfert qui est fait immédiatement. Immédiatement, un virement direct. Et Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Encore une fois, cet homme-là a eu tellement plus que ce qu'il a demandé. Il dit, Jésus, souviens-toi de moi. Jésus dit, non, je ne me souviendrai pas de toi, tu vas être avec moi. Ah, c'est comme quand tu as des amis qui sont, couple d'amis qui sont partis en voyage, par exemple, en Jamaïque. Puis là, tu envoies une photo, comme, on pense à vous. Ah, une photo avec le coucher de soleil, le champagne, comme, on pense à vous. Merci, mais je ne veux pas que tu penses à moi. Je veux que tu m'amènes avec toi. Jésus ne pense pas à toi. Il t'amène avec lui au paradis. Ça, c'est le Jésus que nous avons. Et justement, il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis, la vie éternelle. OK, les gens du portail, tu m'as déjà entendu le dire. Mais je le rappelle, je le répète, parce qu'il y a des gens qui nous visitent, puis tu as besoin de l'entendre. Puis les autres, fais comme si c'est la première fois que tu l'entends. Imagine quand ce gars-là, le brigand, le criminel, il est mort, puis il est arrivé au ciel. Imagine comment les anges ont dû pas comprendre ce qui se passait. Lui arrive, on lui dit, « T'es qui, toi? » Parce que tout le monde sait qu'on va parler avec l'accent québécois, hein, au ciel. T'es qui, toi? » Il dit, « Ben, je sais pas. » Il dit, « Qu'est-ce que tu fais là? » « Je sais même pas où je suis. » Puis là, on dit, « OK. » Il dit, « Parce que là, t'es pas dans nos livres. » T'es comme, « OK, t'es-tu un chrétien? » C'est quoi un chrétien? Puis regarde, t'es-tu une bonne personne? Il dit, ben non, je suis un criminel, puis on vient de me tuer, on vient de me crucifier. Là, les anges se regardent, puis là, sont un peu perplexes. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas. Il y a un bug dans le système. On a quelqu'un qui est arrivé au paradis, qui n'a pas d'affaires là. Puis on dit, OK, bon, j'imagine que tu as été baptisé. Ben non. Ben oui, quand tu as cru en Jésus, tu t'es fait baptiser. Quand j'ai cru à Jésus, j'étais cloué sur une croix. Imagine, tu as fait au moins ta première communion. Non? OK. Bon, au moins, t'as déjà été à l'église. Non? OK. Dis-moi que tu comprends le concept théologique de la substitution pénale. Imagine le brigand qui les regarde comme, « Je comprends rien. » Les anges, « Nous aussi, on comprend rien. » Est-ce que tu comprends la justification par la foi? La justice quoi? Et là, on commence, on essaie de cuisiner, puis on comprend pas, puis on dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je le sais pas, c'est juste que Jésus me dit que je pouvais venir, c'est tout. Et c'est ça l'Évangile, tu es au paradis parce que Jésus a dit, tu seras avec moi au paradis. Pas par tes bonnes œuvres, pas par tes actions, pas parce que tu es une bonne personne, pas par ton rituel, pas par ta religion, par Jésus seul. La troisième parole de Jésus, après le paradis, après le pardon, il parle d'une nouvelle parenté.
Jésus est à la croix, puis il voit sa mère, puis il voit Jean. Il y a quelques disciples autour de lui, puis il dit, Jean 19, versets 26 à 27, « Jésus, voyant sa mère, et debout près d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au fils, « Voici ta mère. » Wow! Jésus est venu former une nouvelle communauté christocentrique multiethnique. Cette communauté-là, elle est autour de la croix. Elle est centrée sur Jésus. Vous savez, le lien le plus fort, souvent on dit que c'est le lien du sang. Non, le lien le plus fort, c'est le lien du sang de Jésus. Et il y a une réalité ici. Et quand il dit « voici ton fils, voici ta mère », c'est une formule d'adoption. Hein? Quand le pasteur dit ou le prêtre va dire « maintenant je vous déclare mari et femme », c'est une déclaration officielle. La déclaration officielle, c'était une adoption, c'est-à-dire il y a une nouvelle réalité en Jésus. Et l'Église est une nouvelle communauté christocentrique, centrée sur Jésus. Ça veut dire quoi? Souvent, le problème de la religion chrétienne, c'est que la religion chrétienne était centrée sur toutes sortes de patentes plutôt que sur Jésus. On a souvent les religions, les églises, c'est centré sur des événements, sur des personnes, sur des doctrines, sur... alors que le christianisme devrait être centré sur Jésus seul. OK, on a un indice, le christianisme. Je dis ça de même, là. Mais il semble qu'il y a un indice dans le mot. Hein, comme par exemple, est-ce qu'il y a des amateurs de football ici? OK, merci pour les deux amateurs de football. Les autres, faites d'autres choses pendant ce temps-là, OK? Quand il y a un caucus, quand tous les joueurs sont en cercle, qu'est-ce qui est au milieu? Les cheerleaders? Le vendeur hot dog? Qu'est-ce qui est au milieu? La mascotte? Non. Le ballon. Pourquoi? Parce que la seule chose qui détermine ta victoire, c'est le ballon. L'Église est centrée sur Jésus parce que c'est la seule chose qui donne la victoire dans la vie chrétienne. Centré sur Jésus, centré sur la croix de Jésus. Et on voit ici, à partir de ce moment-là, puis tu vois très, très rapidement, l'Église devient multiethnique. Vous savez, on parle beaucoup de diversité aujourd'hui, puis c'est quelque chose de très honorable, mais Jésus fait de manière naturelle ce que la culture veut faire. Puis as-tu remarqué, dans toutes les religions, Jésus est assez unique, le christianisme est assez unique. À côté de chez moi, pas loin de chez moi, il y a une nouvelle mosquée qui est ouverte. Puis quand tu regardes, OK, puis faites l'exercice, là, tu regardes, puis quand je vois les gens le vendredi, puis là, c'est le ramadan, qui vont à la mosquée, les gens se ressemblent beaucoup. Quand j'allais à l'Université de Montréal, puis tu passes dans Mont-Royal, puis il y a la synagogue, puis tu passes le samedi, les gens qui vont à la synagogue se ressemblent beaucoup. Quand je vais dans Hochelaga, Maisonneuve, sur un moment donné, sur Hochelaga, tu as un temple hindou. Si tu regardes comme il faut, les gens qui vont dans le temple hindou se ressemblent beaucoup. Fais l'exercice dans un temple bouddhiste, voir les gens qui sont là, ils se ressemblent beaucoup. Maintenant, regarde autour de toi, on ne se ressemble pas beaucoup. Regarde. Il y a une diversité en Jésus qui est unique. Ça, c'est le miracle de la bonne nouvelle de la grâce qui fait de nous une famille. Hein, dans toutes les religions, il y a quand même une certaine homogénéité dans les partis politiques, les idéologies. Même quand on parle de diversité, tu regardes, c'est divers, mais pas si tant que ça. Mais regarde, juste ce soir-là. Hein, puis c'est pas arrangé, là. On n'a pas envoyé des invitations à des gens de toutes les cultures pour bien paraître. Tu sais, est-ce que des gens, là, tu viens d'Amérique du Sud? Non, non, réagissez. Amérique du Sud. Yeah. OK. Yay! Yeah. Christo vive! Est-ce que des gens, vous venez d'Europe? Yeah! Est-ce que des gens, vous venez d'Afrique? Oh, OK, on a même une petite variante africaine. Est-ce que des gens, vous venez du Moyen-Orient? OK, est-ce que des gens, vous venez des Antilles? Est-ce que des gens, vous venez d'Amérique du Nord? Il y a des Québécois qui ont dit « Est-ce qu'on vient d'Amérique du Nord, nous autres? » C'est tout mélangé, là. C'est comme « Oui, oui, mon ami, tu viens d'Amérique du Nord. » Est-ce qu'il y a des gens qui ont en bas de 30 ans ici? Est-ce qu'il y a des gens, vous avez entre 30 et 60 ans ici? Est-ce qu'il y a des gens, vous avez 60 ans et plus ici, que vous êtes encore en forme? Est-ce qu'il y a des hommes? Est-ce qu'il y a des femmes?
Est-ce qu'il y a des hommes qui veulent une deuxième chance? Voyez-vous, nous sommes une nouvelle famille. Gloire à Jésus pour l'Église. Amen. Alléluia. Quatrième parole. Après le pardon, le paradis, la parenté, il parle du péché. Concept super important. Matthieu 27, 46, Jésus s'écria d'une voix forte. Il va parler en hébreu, en langue maternelle. Et il lit la Massabatchani qui veut dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ce qui est intéressant, Jésus nous enseignait de prier notre Père. Jésus s'adressait toujours à son Père. C'est la seule fois dans l'Évangile où tu vois Jésus qui s'adresse à la première personne de la Trinité, non pas comme son Père, mais comme Dieu. Hein, je ne sais pas si les autres couples, vous êtes comme ça. Nous, dans notre couple, on ne s'appelle pas par nos prénoms. C'est toujours des petits mots affectueux. Même quand on chicane. Hey, « Là, chérie, il faut que tu m'écoutes, là! » Mais puis moi, quand ma femme me dit « Gaétan, il faut qu'on se parle. » Là, je me sens pas bien, là. Il y a deux affaires qui me mettent dans le trouble. Quand ma femme me dit « Gaétan », ça sera pas le fun. Puis quand elle me dit « Faut qu'on se parle », ça va être encore moins le fun. Et Jésus dit, en quelque sorte, c'est un peu comme, il dit « Mon Dieu hein, ». C'est pas le petit nom affectueux. Il y a comme une certaine distance, on pourrait dire. Puis il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné? » En fait, il cite le psaume, il cite un psaume qui dit justement, le psaume 22, qui dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Maintenant, juste dire, OK, pour être théologiquement précis, le Père n'abandonne jamais le Fils. Okay. À ce moment-là, par contre, Jésus, encore une fois, dans son identité, a été fait péché. Et c'est comme si sa communion avec Dieu, il y a un voile, il y a une éclipse totale entre le Fils et le Père. Et Jésus, à ce moment-là, alors qu'il est péché, qu'il devient péché, qu'il porte ton péché, mon péché, il sent l'abandon du Père. Il se sent souillé. Imagine, le Fils de Dieu, pur, saint, sans tâche, sans péché, à l'instant où il devient péché. Toi et moi, on ne peut pas imaginer. Et c'est pourquoi ma conviction, c'est que la plus grande souffrance de la croix, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Est-ce que tu réalises ça fait quoi de se sentir souillé? J'étais à l'hôpital, puis je visitais quelqu'un, puis en sortant, il y a deux lits, puis en sortant, pour aller vers la sortie, il y a quelqu'un qui est là, un homme qui est très, très, très malade, très âgé. Et moi, je suis un peu maladroit dans la vie, puis en sortant, justement, je m'enfarge, ou je, bon français, je trébuche dans le lit, et au bout, il y a une petite bassine remplie d'urine qui... Mais le moment que ça t'arrive, là, t'es comme, il n'y a rien que tu peux faire. T'es juste comme, t'es paralysé de dégoût. Tout le monde dit, t'es pas solide, j'aimerais ça que ça t'arrive, on s'en reparlera, OK? C'est comme, mais de manière très sérieuse, Jésus, imagine, beaucoup plus, le péché éclaboussé par notre péché, comme, à ce moment-là, wow, il porte notre péché. Et non seulement il devient péché, mais à ce moment-là, il expie le péché, il règle le cas du péché. C'est pas tout, là. C'est-à-dire, il apporte une solution au péché. À ce moment-là, Jésus va couvrir ton péché. Va couvrir nos péchés, passés, présents et futurs. Il y a quelque chose qui prend place, qui est très efficace. Et d'ailleurs, ça nous aide à comprendre. Vous savez, Jésus, on se pose la question, mais pourquoi Jésus est décédé si rapidement? Quand tu connais un peu les crucifixions à l'époque, ça durait plusieurs jours, Jésus va mourir en quelques heures. La première raison très, très rationnelle, c'est que Jésus a été battu pratiquement à mort, donc très, très affaibli. Mais selon moi, il y a une autre raison. Une autre raison, c'est que Jésus à la croix, le Fils de Dieu pur, n'avait pas besoin de jours et de jours et de jours et de jours pour venir à bout du péché. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Le sang de Jésus est extrêmement efficace. À l'exemple, à pareille date l'année passée, encore une fois, les gens du portail, tu m'as entendu dire ça, inondation à la maison, dans la sonde-pompe, pas d'électricité, et je veux vider la pompe, et je crois que
à faire des voyages aller-retour, je vais réussir à vider la pompe, puis là, ça monte. Puis je dis non, je vais réussir, puis pendant la nuit, je continue, puis je me dis, je vais gagner. Je vais réussir par moi-même à venir à bout de l'eau. Grave erreur. À un moment donné, complètement découragé, j'y arrive pas, il y en a trop. Et tu ne peux pas arriver à régler tes péchés parce qu'il y en a trop. Parce que dès que tu en règles un, il y en a quatre qui arrivent. Puis à un moment donné, je me suis résigné, puis il y a un voisin qui est arrivé avec sa génératrice, la pompe. Et la pompe a fait en 4 minutes ce qui m'a pris 12 heures à faire. Jésus à la croix règle en quelques minutes ce qui pourrait te prendre une éternité que tu ne serais jamais capable de faire. Écoute bien la grande vérité. Oui. Écoute bien. Un enfer éternel pour un pécheur mortel est absorbé en un instant à la croix par Jésus, l'homme Dieu éternel. C'est très profond. Jésus n'a pas besoin d'avoir des heures et des heures. Pourquoi? Parce qu'il est efficace. Il continue. Cinquième parole. Il va parler de l'importance qu'il accorde à ce livre, la parole de Dieu. Voici ce que dit Jésus. Après cela, Jésus dit, qui savait que tout était déjà achevé, il dit, « Afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. » OK. Jésus va dire « J'ai soif afin que l'Écriture soit accomplie. » Deux choses. Premièrement, Jésus manifeste son besoin parce que Jésus est pleinement Dieu, mais il est pleinement homme. OK, il y a toutes sortes de gens qui ont des croyances bizarres sur Jésus. Certains ont dit « C'était pas vraiment Jésus à la croix, c'est une illusion, c'est un miracle. » Non. Hein, une illusion ne peut pas boire. C'est pas une hallucination ne boit pas. Certains vont dire que c'est un fantôme ne boit pas. En certains, dont notamment les musulmans, vont dire que c'est un sosie, non. À la croix, c'est vraiment Jésus, le Fils de Dieu. Est-ce que je peux entendre « Amen » ? Et pour accomplir l'Écriture, il va dire, parce qu'encore il a en tête le psaume 69, 22, qui dit « Pour étancher ma soif, il me donne du vinaigre. » Donc, il dit « J'ai soif afin que ces bourreaux accomplissent l'Écriture. » En fait, ce que Jésus veut dire, c'est que Jésus est toujours en contrôle. Jésus veut provoquer quelque chose pour accomplir la parole. OK, exemple. Je vais dire quelque chose, mais vous n'avez pas le droit de le répéter à ma femme. Puis je suis sûr qu'il y a plein de gens comme moi. Vous savez, à un moment donné, un samedi soir, on écoute un film, je suis sur le divan avec la petite doudou, mon petit minou, je flatte mon minou. Là, j'ai soif. Mais ça ne me tente pas de me lever. Puis là, je vais dire quelque chose comme, oh, « J'ai soif, il faudrait que je me lève. » Je sais qu'est-ce que ma femme va faire. Elle dit, « Ah, ben non, est-ce que tu veux quelque chose? » Puis là, c'est important de ne pas dire oui immédiatement. Pas dire, « Ah, mais non, là, je ne veux pas que tu me serves, je vais me lever, là, ce ne sera pas long. » Attends, ah, ouais, bon, si tu insistes. » Qui fait ça ici? Levez la main. Aïe, 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 il y en a un paquet en plus. OK. Bon, donc, j'ai soif pour provoquer quelque chose. Jésus dit j'ai soif. Pourquoi? Parce qu'on dit on me donne du vinaigre. Puis en fait, les soldats vont lui donner du vinaigre. Pour être exact, là, c'est du vin aigre. Hein, souvent, on le met ensemble, vinaigre. Le vin aigre est un vin bon marché que les soldats romains buvaient. Puis en fait, ce texte-là, cette parole nous enseigne l'importance que Jésus accordait à ce livre-là. Mes amis, dans les 7 paroles de la croix, les 4 dernières paroles, Jésus va citer ce livre-là. Jésus avait la parole de Dieu, il était lui-même la parole en plus haute estime. Parenthèse, il est bon de se rappeler ce vendredi saint l'importance de soumettre nos vies à cette parole et d'obéir à cette parole et d'honorer cette parole qui est la volonté de Dieu. Amen. Et avant dernière parole, Jean 19, 30, Jésus dit, tout est accompli. Tout est accompli. On commence. Tout. 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 Tout, 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 tout. C'est important. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Tout est accompli. Jésus à la croix nous pourvoit un salut tout inclus.
Vous savez, lorsqu'on va dans le sud, les tout inclus. Moi, j'aime aller dans les tout inclus. Tout inclus. Pourquoi? Parce que tout est inclus. J'aime le concept de payer une fois, puis après ça, tout est inclus. Jésus a payé de son sang une fois à la croix. Maintenant, tout est inclus dans notre salut. Amen. Peu importe tes besoins, besoin de réconciliation, besoin de justification, de pardon, de délivrance, de puissance, de la présence de Dieu, d'un sens à ta vie, tout est inclus dans le salut de Jésus. Il ne manque rien. Jésus est suffisant. Et la Bible dit tout est, pas tout sera. À toi qui es ici ce soir, tout est accessible et disponible en Jésus. Pas demain, maintenant. Et tout est accompli. Vous savez, on ne peut pas accomplir notre salut par nous-mêmes. Ça veut dire que tu ne peux pas mériter ton ciel. Tu ne seras jamais une assez bonne personne qui fait assez de bonnes œuvres pour... Jésus est venu justement pour nous sauver de ce mensonge. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire des bonnes choses. Ça veut juste dire que par nature, nous sommes séparés de Dieu. Et on se trompe en pensant qu'on va y arriver par nous-mêmes. Alors, vous savez, au sortir de la pandémie, je me suis dit, je vais me mettre en forme. Et j'ai fait quelque chose. Je me suis inscrit à un triathlon. Tu dois savoir que je sais très mal nager. Donc, triathlon, pour ceux qui ne savent pas, c'est nage en rivière, en eau vive. Après ça, c'est t'as une période où tu as du vélo. Et après, c'est que tu vas courir. Trois disciplines. Trois disciplines que je ne maîtrise pas du tout. Donc, j'ai décidé de suivre un cours de natation. Donc, je prends mon cours de natation, j'arrive là, mes belles lunettes, tout ça, mon casque de bain. J'arrive dans la piscine, je suis le plus vieux. Okay, donc, tout le monde en bas de 20 ans. Moi, j'en ai 25, donc je me sens un petit peu vieux. On est là, puis là, finalement, l'instructeur, la coach, elle nous dit, OK, maintenant, faites une largeur de piscine. Fait que là, quand je fais une largeur, moi, j'en fais une, je prends une pause, je reviens. Puis là, elle dit, monsieur, vous n'êtes pas dans le bon cours? Je dis, oui, je suis dans le bon cours. J'ai dit, le standard, c'est d'être capable de faire une largeur. J'ai dit, une largeur. C'était juste une largeur. T'étais-tu là ou... c'est mon histoire. C'est vraiment une largeur. C'est pas un cours, c'est un cours comme ça. Bon, pour les autres, restez avec moi, OK? Donc, une largeur. Et là, comme elle me dit, c'est écrit, comme l'élève doit être capable de faire une largeur. Je suis capable. Elle dit, oui, mais faire une largeur, elle dit, c'est pas juste de se rendre sans mourir, là. C'est humiliant parce qu'elle me donne comme des spaghettis, puis elle me dit, mettez-vous dans le premier corridor. C'est comme, je dis, hey, moi, je veux faire un triathlon, là. Puis là, elle me dit, on va vous trouver un autre cours. Fait que là, elle parle avec les autres, finalement, il n'y a pas de cours pour mon niveau. Fait que là, elle me dit, OK, ben vous allez rester dans notre cours, monsieur, là, elle dit. Fait que là, elle donne des consignes, puis là, moi, je pose une question, elle dit, oui, mais pas vous, attendez, là, attendez. Fait que là, elle donne des consignes à tout le monde, OK, le crawl, fétis, vous revenez, tout ça. Puis je dis, OK, moi, je fais quoi? Elle dit, monsieur, faites ce que vous voulez. Histoire vraie, là. J'ai l'air d'exagérer, là. C'est ça qui s'est passé, là. OK? Moi, je veux faire un triathlon. OK, c'est pas tout. Un mois avant l'événement, on est à la maison, les enfants sont là, on les reçoit à manger. Puis la maman dit, hey! Elle dit, les enfants, savez-vous ce que votre père va faire dans un mois? Ah, un triathlon! Là, mes enfants me regardent comme, ah ouais? Elle dit, Pat, t'es pas super bon en natation. Je commence à le savoir. Elle dit, t'as-tu suivi un cours? Je dis, ouais, je suis un cours. Je l'ai pas passé, mais j'ai quand même suivi un cours. Elle dit, là, tu vas aller nager dans la rivière. Okay. Là, elle dit, on me pose la question, est-ce que t'as commencé à courir? Non, pas encore, je vais m'y mettre. Puis là, elle me dit, OK, puis tu sais qu'il y a un vélo, c'est comme, ça fait des années que t'as pas eu de vélo, est-ce que tu t'es acheté un vélo? Pas encore, je vais commencer à magasiner ça bientôt. C'est là que j'ai réalisé que c'est totalement absurde. T'sais, je veux faire un triathlon, je ne sais pas nager, je n'ai pas le cardio pour courir et je n'ai pas de vélo. Et ça, c'est une belle image du salut. Hein, dans le salut, c'est que tu n'as pas la capacité pour gagner ton ciel, tu n'as pas la volonté, tu n'as pas le vélo, tu n'as pas les ressources, tu as besoin de Jésus. C'est ça la grâce. Puis j'ai vu une vidéo, puis ça m'a inspiré, où il y a un homme qui est handicapé, puis tu as son grand frère, qui, vous savez, un Ironman, c'est un triathlon extrême, qui l'a amené, qui l'a porté dans en nageant, en vélo, il l'a traîné, en courant, et avec son fauteuil roulant. Et finalement,
l'homme handicapé a fait un Ironman parce que son frère l'a traîné tout le long. Je vais faire un Ironman spirituel dans le paradis parce que Jésus me traîne tout le long. C'est Jésus qui me traîne. C'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est Jésus qui nous traîne. Ça, c'est la grâce. Et je termine. Je termine. Quelle est la dernière parole de Jésus? Luc 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Première chose. J'aime le fait que Jésus va le dire d'une voix forte. Tu te rappelles, une autre fois, dans une des sept paroles, Jésus va dire d'une voix forte, la même expression qui revient deux fois. La première fois, pour dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et Jésus va crier son désespoir, mais Jésus va crier sa confiance également. Vous savez, je fais juste une petite parenthèse des chrétiens. On met beaucoup d'énergie à se plaindre, mais très peu à rendre grâce à Dieu pour toutes nos bénédictions. Hein, c'est Spurgeon qui disait, « Nous sommes prompts à graver nos épreuves dans le marbre, mais à écrire nos bénédictions dans le sable. » Et Jésus, alors qu'il crie d'une voix forte, « Pourquoi as-tu m'abandonné? » Il crie d'une voix forte, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Et alors qu'il cite le psaume 31, le verset 6, puis je t'invite à lire, je n'ai pas le temps, c'est un psaume de délivrance. En fait, Jésus sait à ce moment-là, quand il remet son esprit entre les mains du Père, il sait que le Père va le ressusciter des morts. À ce moment-là, ce n'est pas une résignation, c'est Jésus dit, « Père, je te fais confiance, la mort ne peut me garder, je suis ton fils, tu vas me sortir de là. » Et c'est pourquoi c'est un cri de victoire. Et Jésus sait que la mort ne peut le garder. Hein, la Bible dit ça, la mort n'a pas pu le garder. Pourquoi? Écoute-moi bien. Parce que le pouvoir de la mort, c'est le péché. Jésus est sans péché, donc la mort n'a pas d'emprise sur lui. Pour que tu comprennes, c'est comme quand tu vas au magasin, puis tu sors, puis vous savez le détecteur antivol? Bip, 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 bip. C'est toujours stressant. Puis là, on vient te voir, puis là, on dit devant toi, hey, revenez, monsieur, puis là, tu reviens comme... La réalité, quand on découvre que tu n'as pas de marchandises dans ton sac, tu peux sortir. Vous savez, chacun d'entre nous ici, sans Jésus, alors qu'on va être dans la mort, tu ne peux pas sortir de là parce que ton péché te laisse captif de la mort. La bonne nouvelle, c'est que quand Jésus passe, la mort ne peut pas le retenir parce qu'il est sans péché. Tu dis, ben, oui, pasteur Guetta, mais moi, puis toi, tu as des péchés. C'est Jésus, c'est beau qu'il est sorti, mais toi, ben, moi, je t'accroche à Jésus. Moi, je t'accroche à Jésus. Moi, où Jésus va, je vais. Si Jésus sort de la mort, j'ai l'espérance que je sortirai de la mort. Et regarde. Là, des gens, t'es ici, puis tu dis, OK, on commémore le Vendredi Saint, on commémore la mort de Jésus, mais il y a quand même beaucoup de joie et beaucoup de vie. Pour une cérémonie, on commémore la mort de Jésus. C'est parce qu'on sait que Pâques arrive bientôt. Ah, puis on se retient, vous savez, notre mandat au portail, on se dit que Vendredi Saint, on veut focaliser sur la croix, mais on a de la difficulté parce qu'on sait que la croix... As-tu vu le message, c'est pas les dernières paroles de Jésus? Parce que c'est les paroles de la croix parce qu'il va mourir, mais il est ressuscité. Puis les chrétiens, on est un peu comme... Tu sais, quand tu écoutes un film avec quelqu'un, puis la personne a déjà vu le film... Et que c'est fatigant. Moi, j'ai des membres de ma famille. Tu sais, t'écoutes un film, ils l'ont déjà vu. Là, t'es là, tu regardes le film. Là, ils disent, oh oui, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça. Arrête! Puis là, le monde, tu fais comme, oh non! Fais-toi-en pas, ça va revenir. C'est comme, arrête! Là, tu sais, parle pas! Chut! Là, ils parlent pas, là, ils sont comme, ouh! Les chrétiens, on est comme ça. On essaie de focaliser sur la croix, mais on a lu le livre, on connaît la fin de l'histoire. Jésus est ressuscité. Alléluia. Alors que les musiciens viennent me rejoindre, mon ami, c'est une belle occasion de se rappeler que chacun d'entre nous, un jour, on va se présenter aux portes du ciel, comme ce brigand. Ça va être quoi ton pitch de vente pour rentrer? On va tous mourir. Tous mourir. Pasteur Jeff Lorrain, qui est décédé cette semaine, disait à un moment donné dans une de ses prédications, il y a quelques années, d'ici 100 ans,
on va tous être dans l'éternité. Dans 100 ans et moins, tout le monde ici, on est de l'autre côté. La question alors que tu vas te présenter devant Dieu, puis comme ce brigand tout à l'heure, je disais avec Humo, se présente devant les anges, on va dire, t'es qui toi? Pourquoi on te laisserait rentrer? Ça va être quoi ton argument? Parce que je suis une bonne personne? Parce que je suis une bonne personne? Les anges vont dire, OK, ben, permets-nous de présenter le top 10 des événements les plus honteux de ta vie. Là, tu vas dire, OK, ben, parce que j'ai fait des bonnes œuvres. Ils vont dire, OK, on va sortir une balance spirituelle pour comparer le bien que tu as fait, mais tout le bien que tu n'as pas fait, tout le mal que tu as fait. Je ne suis pas sûr que tu veux cette balance-là. La seule raison pourquoi on devrait me laisser entrer au ciel, c'est parce que Jésus me dit que je peux venir avec lui. Puis moi, un jour, si je me présente, je vais me présenter, mais si les anges ils me font du trouble, je parle pas avec toi, là. Je parle pas avec toi. Va chercher Jésus. Va chercher Jésus. Puis Jésus va arriver, va dire, je le connais, laissez-les passer. Ça, c'est la bonne nouvelle de la grâce. Donc, Jésus ne laisse passer encore pas parce que juste qu'il nous aime, mais parce qu'on se confie en lui, parce qu'on reçoit le pardon de nos péchés, parce qu'on est réconcilié avec le Père, parce qu'on a la vie de Dieu en nous, parce qu'on a cette espérance, parce qu'il transforme. Ça, c'est l'œuvre de Jésus qui l'a faite à la croix. Est-ce que je peux entendre un dernier amen? Amen. Levons-nous. Alors qu'on ferme les yeux, qu'on penche la tête quelques instants. Brièvement, j'aimerais prier pour des amis qui sont ici, qui... J'aimerais te donner l'opportunité de recevoir Jésus. Vous savez, Jésus n'arrive pas par accident comme ça. Ne pas décider, c'est décider. Et comme Jésus est entré dans ma vie il y a bientôt, enfin bientôt 30 ans, plusieurs ici pourraient le témoigner. Certains sont ici, ça fait quelques jours. D'autres, ça fait beaucoup plus longtemps. Tu es ici, puis tu réalises que tu as marché pendant des années sans savoir ce que tu faisais, sans savoir, sans réaliser que tu étais pécheur, séparé de Dieu, que tu ne pouvais pas gagner ton ciel par tes œuvres, par tes mérites, et que c'est pour ça que Jésus est venu, parce que nous avons tous besoin d'un sauveur. Et ce soir, tu aimerais recevoir Jésus, te confier en lui. Tu aimerais recevoir le pardon de ses péchés, tu aimerais recevoir ses bénédictions, sa grâce est méritée, recevoir l'assurance de la vie éternelle, recevoir la certitude que Dieu marche à tes côtés dans l'épreuve, dans la maladie, dans la mort, dans tout ce que tu vas subir. Donc, c'est ton cas, c'est tout simple. Tu as juste besoin de te confier en Jésus. J'aimerais prier pour toi. Est-ce que quelqu'un ici, pendant que les yeux sont fermés, tu veux simplement recevoir Jésus? Je demande de lever la main, un signe surtout comme pour te faire sortir de ton apathie. Un signe surtout devant Dieu, plus que devant les hommes. Quelques mains se lèvent. Est-ce que quelqu'un d'autre? Dis, prie pour moi ce soir. Prie pour moi, j'ai besoin de Jésus. Quelques mains se lèvent. Fais baisser vos mains. Seigneur, je te prie pour ces hommes et ces femmes qui se confient en toi. Là qu'on voit dans les paroles de la croix qu'il y a des choses dans la vie qui prennent du temps, puis il y a des choses qui sont instantanées. Pour celui qui se confie en toi, le transfert, le virement spirituel est instantané. Le pardon est instantané. Personne-là sont morts, le paradis est instantané. Pas à cause de nous, à cause de Jésus. Donc, je te prie. Je te prie pour ces gens. Je sais que tu honores leur foi. Je sais que tu es un Dieu fidèle qui va prendre soin d'eux. Puis ils ne réalisent peut-être pas, mais ils prennent la décision la plus importante de leur vie. Une décision qui a un impact éternel. Et Seigneur, pour chacun d'entre nous, alors qu'on va aller dans la louange en adoration, nous voulons te dire merci pour la croix. Nous voulons mettre notre fierté dans la croix de Jésus. Nous voulons célébrer la croix. Nous voulons te dire merci. Et nous voulons expérimenter la puissance de la croix. Merci Seigneur, parce que la croix n'est pas seulement un événement historique. C'est un événement historique qui a des répercussions spirituelles et éternelles encore en 2024. Donc je te prie, renouvelle-nous dans l'œuvre de la croix. Tout ça pour la gloire de ton nom. Et nous avons tous ensemble un grand et un fort. Amen. Amen.